Ça, c'est mon super setup de 2023 avec un Apex Pro TKL, une SCUF Impact et une G Pro Wireless. Mais aujourd'hui, on va les mettre de côté parce que je vais jouer avec mes périphériques les plus anciens, c'est-à-dire cette petite souris Made in China qui a coûté seulement 5€. Je sais pas du tout comment je vais faire pour jouer avec. En plus, les boutons ne sont pas du tout au même endroit que la G Pro Wireless. Regardez, il y a deux boutons sur le côté, ça va vraiment être catastrophique. Et pour le clavier, on aura celui-ci qui fait à peu près la même taille, mais il a une latence 10 fois plus grande. Et en plus, c'est même pas un clavier français, c'est un QWERTY. Regardez, j'ai pas du tout l'habitude de jouer avec ça. Les touches, elles sont même pas au bon endroit. Je sais pas comment je vais faire. Du coup, je vais tout brancher et on se retrouve en arène. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais à mon avis, ça va vraiment être compliqué. Et ça, c'est mon écran habituel, c'est un 144Hz avec lequel je joue depuis plus de 2 ans, qui fait vraiment le taf. Mais aujourd'hui, on va également le mettre de côté. Je vais jouer sur ce petit écran 60Hz avec lequel je filme actuellement. C'est une télé qui a plus de 25 ans. Je l'ai trouvé dans un vide grenier. Je sais pas comment je vais pouvoir faire. Du coup, on se retrouve en arène et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Comme vous pouvez le voir, j'ai actuellement le setup en main et je peux vous dire que déjà lancer le jeu avec la souris, ça n'a pas été facile tellement elle est lourde et elle est pas maniable. Mais qui dit ancien setup veut dire également ancien skin. Du coup, je vais me rendre dans mon casier et on va choisir un ancien skin de Fortnite pour vraiment être dans le thème de la vidéo. Et dites-vous que là, la molette elle descend pas. J'ai une brique dans les mains, les gars. Et en termes d'ancien skin, j'en ai vraiment pas mal. Je pense que vous commencez vraiment à connaître mon casier, mais moi je sais déjà lequel je vais mettre. Le skin le plus vieux que j'ai dans mon casier, c'est dans les skins verts. Et c'est soit ce skin, la survivaliste sortie à la saison 1, ou sinon c'est la Recon Expert. Et je pense que je vais partir pour ce skin. Comme vous le savez, je le joue dans énormément de vidéos. Au niveau de la pioche, je pense qu'on est pas mal. Du coup, on va directement mettre prêt en arène et c'est parti. Et sachez que déjà là, pour scroller, ça ne marche même pas. À mon avis, le reset molette ne va pas fonctionner. Cette souris a été fabriquée en Chine et je l'ai acheté quand même 4€. Du coup, je viens d'arriver en arène et sachez que la souris, elle ne bouge même pas. Je crois que je vais devoir quadrupler mes DPI pour arriver à faire des mouvements. Cette souris, je l'ai depuis 3 ans, depuis que j'ai acheté mon PC. Et dites-vous que je n'ai jamais joué à Fortnite avec. Ça va être la première fois que je joue avec. Elle est tellement nulle que j'avais attendu d'avoir ma G Pro Wireless pour faire mes premières games au clavier souris. Elle est hyper lourde. Je sais pas comment je peux faire. Je vais essayer d'augmenter les DPI. Oh. Mais comment je vais faire? C'est injouable. Les gars, souhaitez-moi bonne chance. À mon avis, pour optimiser nos chances de faire top 1, va falloir qu'on aille dans un spawn que je connais très très bien. D'ailleurs, faudrait qu'on trouve un spawn pour la communauté. Un spawn où moi je vais et tous les abonnés on va. Du coup, j'ai pas trop d'idées. Moi, je sais que le spawn que j'aime bien c'est Frenzy Field. Mais vu que c'est au début du but, je vais pas y aller. Sinon, je vais clairement faire un retour lobby. Oh, la molette elle ne fonctionne même pas pour zoomer. Je pense qu'on va aller ici. Ça m'a l'air pas mal. Normalement, il y a un petit château. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs pro qui y vont. Du coup, on est directement parti. Dites-vous que j'ai appuyé sur espace pour sauter du bus. Ça a pris 10 minutes. J'ai 2700 points en arène. Si j'arrive à faire un top 1 avec ce clavier, ça serait franchement une grosse dinguerie. Dites-vous que là, ma touche M elle est censée être ici. Vous voyez pas, mais c'est une virgule car le clavier est en anglais. Donc je suis vraiment déboussolé. Ok, il m'a l'air d'avoir personne. Donc on va être plutôt tranquille. Ah si, il y a quand même deux personnes qui ont spawn à côté. À mon avis, ils vont me rota dessus. Va falloir que je fasse très très attention. Oh là là, les touches à répondre, mais avec de la latence. Comparé à mon Apex Pro TKL qui répond à la milliseconde. What? Attendez, faut que j'appuie sur la molette pour ramasser. Mais c'est un caillou ma molette. Comment voulez que je passe? Ok, j'arrive à récupérer le pompe. En fait, je vais prendre un stuff et je ne vais jamais l'enlever. Les touches à répondre, mais elles ont du ping dans le cerveau. Ah, à l'aide, ok. Ok, c'est bon. Ça le fait, ça le fait. Alors, les mini-potes, glou glou glou, let's go. Il y a personne aux alentours. Je vais prendre clairement 10 ans à me looter. Et pour fight, je sais même pas si je vais réussir. Là, mon objectif en vrai, ça serait d'arriver à faire 4-5 kills. Et vous savez quoi, si je fais top 1 en ayant spawn ici, ça deviendra officiellement le spawn de notre communauté. Ok, si j'arrive à récupérer une petite PM violette, ça pourrait vraiment m'aider. Je vais essayer de trouver une clé rapidement. Ok, pompe grondeur, ça je prends, il n'y a pas photo. Ok, premier escalier posé. Ah, ça fait bizarre. Hein. Vraiment, j'ai trop de mal. Si je me fais fight, que je tue un mec et que je dois vite récupérer du stuff, je pense que c'est clairement mission impossible. Ce setup est beaucoup trop vieux pour jouer à Fortnite. Ok, coffre à doublé, let's go. Ok, des petits splash, ça fait plaisir. Par contre, mon stuff, c'est clairement un 0 sur 10 actuellement. J'ai que des armes grises. Je fais un tour sur moi-même, ça ne le fait même pas avec la souris. Là, le défi est vraiment hardcore. Et vous savez quoi, les gars, s'il y a 5000 likes sur cette vidéo, j'irai faire top 1 dans une bibliothèque. C'est-à-dire que je jouerai avec le PC qu'il y a là-bas, donc un PC vraiment pourri, avec un setup encore pire que ça, et on essaiera de faire top 1. Donc n'hésitez pas à liker. Ok, il y avait des personnes qui avaient spawn là-bas, du coup, on va essayer d'aller faire un petit tour. On va voir si je peux réussir à les fight. Je sais même pas si je vais réussir à avoir du shoot. Je vais récupérer un max de maths parce que ça va être compliqué sans. Alors, au niveau des renforts, j'ai le fusil recycleur et le premier assaut. Je pense que je vais utiliser le deuxième, ça m'a l'air mieux. Bon, du coup, les gars, je viens d'arriver dans la ville et je sais pas du tout où il y a du monde. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en zone top 35 avec 0 kill. Je commence un petit peu à m'habituer au périphérique, mais c'est vraiment compliqué. La souris est très très dure. Les clics de souris, ils sont super lourds. Le clavier, il y a de la latence. J'en ai fait des défis sur ma chaîne et je pense que celui-ci est de loin le plus dur. En plus de ça, j'ai récupéré un pompe lourd. En vrai, j'ai quand même envie d'essayer. Je suis assez joueur. Oh nice, des petites splash. Je vais boire la petite boisson pour aller plus vite. La zone est juste à côté. J'aimerais bien essayer de prendre mon premier fight. Il y a encore des coffres de pas ouverts, donc à mon avis, personne n'est passé par là. Donc c'est pas par ici que je risque de me battre. Oh là là, pour récupérer une scar, c'est une galère. Je vais quand même garder la PM. Allez, mais où est-ce que vous vous cachez là? J'ai le pire setup au monde et personne veut fight avec moi. Il y a une PM Gold posée comme ça ici, mais je prends carrément. Il y a un mec, je l'ai vu, mais il est à 10 000 km. Il est également en marteau comme moi, ça a l'air d'être un Slayer. À mon avis, c'est... Non! Non! Oh là là, ok, je suis pas mort, c'est bon. Vous le voyez, il est juste devant moi. Je vais activer une autre capacité. Allez, j'arrive, mon pote. Viens de battre. Par contre, si je loupe toutes mes balles avec ce pompe, vous moquez pas. Regardez, mais il s'est caché où là? Quoi, cette boutade? Oh là là, c'est un sniper ce pompe. Oh le fou! Je crois que c'est la fin. Ok, les clics, c'est vraiment hyper dur. Hein. J'ai pas énormément de maths, alors que lui, s'il a 10 kills, ça va être chaud. Ok, je vais jouer un peu comme un rat, mais j'ai pas le choix. Regardez mon setup. Oh là là, les edits. Oh là là, j'ai l'impression d'avoir 80 ans. C'est quoi cette technique de fou qu'il a?
Non, mais comment ça il me tue? Mais c'est un malade ce mec. Regardez-moi ce combo de skin, c'est un gros tryharder. Bon, je vais relancer une game et cette fois-ci, on va clairement faire le top 1. Je refuse de rester sur ça. Je suis sûr que je suis capable de faire au moins top 1 cette kill. J'en avais marre, c'est un défi qui est vraiment trop compliqué. Du coup, j'ai fait appel à un joueur pro, Lixium. Mec, je vais te coller parce que c'est clairement injouable. Ouais, t'inquiète, ça va le faire, on va top 1. J'ai un pompe également. Ah, ça va même pas prendre. Un mort. Let's go, t'es un crack. T'as vu où est son mate ou pas? Non, pas du tout. Ah, je le vois, il y a ses pas. On va le fumer. Tu sais que même pour retirer l'inventaire, j'en sais pas plus. Il va probablement venir chercher la carte, donc faut faire attention. Là, mon objectif, c'est que je dépasse au moins les 5 kills. Hein. Parti, il y a des mecs au milieu si tu veux. Y a un mec sur moi surtout. Ok, j'arrive. Ouais, je l'entends. Ok, attends-moi. J'arrive. Check toi. Ouais, il se cache, je sais pas si. Au-dessus. Crac. Allez, tue-le. Vas-y, je l'ai. Putain, je ripais ce mur, c'est bon. Let's go. Mec, je les chitonne, mais genre, comme si j'avais 80 ans. Ah, je vois des mecs en bas. Si tu veux. Ouais. 28, 57, oh là là, mais je suis un monstre. Go, on les enchaîne tous, vas-y, je vais le récupérer. J'ai pas de marteau. Merde, moi. Il est beau ou pas? Non, ils étaient vers moi. Hein. Sur moi. T'es où? Vincent, j'arrive. Je suis là. Ouais. Non, mort. Nice. Je l'ai eu. Ah, j'arrive même pas à faire une edit. J'ai mis les DPI à 2000, j'ai l'impression d'en avoir 50. Mort, 200. Oh là là, le monstre. 33 l'autre. Attends, j'essaie de 90. Oula. J'essaie de le tuer. Non, c'est impossible, il faut que tu m'aides. Je me mets une grosse. J'ai 70 de maths et le niveau d'un grand-père. Ok, je monte de sur marteau. Il m'a menti, c'est pas vraiment monté là. Pac. 33 blancs. Let's go, mec, tu me carries trop, merci. T'inquiète. Bon, du coup, on va essayer de récupérer les drones tranquillement et je te propose qu'on aille push ailleurs. J'arrive à 2 km. Crac. Un HP skin vert. Ok, go. 100. Mort. Un HP l'autre, s'il te plaît. J'ai mis moins 130. Il y a une team, il faut que tu tailles avec ma carte. Oh, le monstre, il doit avoir trop le seum. Voilà, Lixium, c'est ça qu'on veut, mais mec, t'es trop fort en fait. Du coup, tu vas me rester, c'est nickel, je vais pouvoir planer jusqu'au stuff. Franchement, je sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Il me manque 200 points pour avoir les 3000. En vrai, tu penses qu'on pourrait les avoir durant cette game ou pas? Ouais, ça va le faire, t'inquiète. Oh non, ça me shot. Ok, ils viennent pas sur moi, mais j'ai 40 HP en fait. Je vais faire tomber. Vincent. Bien joué, j'arrive. Là. Mort. Nice, un monstre, gros. Vincent. Mort, let's go. Let's go. Mec, tu l'avais pas, je l'avais. On les a arrachés. On a déjà 10 kills, mec. Go, continue comme ça. Je te jure, on va faire la 20 kills alors que j'ai le pire setup. Non, je replay, c'est rien avec cette souris. Bon. Pack. Nice. Let's go. C'est impossible de faire un pré-shot ou quoi, hein, d'avoir des timings avec ça. Je dois galérer, le pauvre. Mort. Oh, t'es un monstre. Pack. Mort. Oh là là, je l'ai vu en direct. Bien joué à toi, frérot. Y'a un pump goal pour toi là, ça va t'aider. Ouais, je viens de le récupérer. Merci beaucoup, frérot. Heureusement que t'es là pour faire des kills. Bon, du coup, on est actuellement top 19 avec déjà 13 kills. On va clairement faire la 20 kills facilement. Ça va être ma première 20 kills de la saison. Oh, ça fight à Anvil Square, donc go y aller. Ouais, c'est là, il est là. Box. Nice. Let's go. Et l'autre, il l'a abandonné, gros. Comment ça, mon ref? Il est là. Oula. Non, au-dessus. Oh là là, quel joueur pro. Y'a un mec encore. Ouais, j'entends. Oh 43. Non. 17. Crac. Mort. Un HP. Allez, tranquille. Non, j'ai voulu piocher ma one. Mort. Oh là là. T'es trop fort. T'as combien de kills? On a 13. Oh là là, mais mec, tu m'impressionnes trop. Mais encore 12, c'est quoi cette game de World Cup? Mec, je te jure, on va pouvoir faire plein de kills, c'est cool. Box, mort. Nice, bien joué. Moins 130, mort. Oh là là, trop fort, bien joué. Moins 130, j'étais trop fort avec ce clavier en fait. Mais gros, même la souris, hein. Ok, 23 kills, mec, go continuer. Ils sont deux. Y'a un mec en bas. J'en ai tué un. Oh, il m'a tué à travers. Allez, mec, fais le top 1 pour nous, s'il te plaît. Bien joué, t'es top 2, 1v2. Ils ont plus beaucoup de heal là. Hein. Oh là là, 20 de bois. Oh là là. Top 1, 26 kills, mais gros, le clutch de fou que t'as fait. Mais mec, t'es trop fort, bien joué. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Bref, c'était Kinder. Allez, ciao les mecs.